Salut à tous, aujourd'hui on va pas parler fond vert, on va parler petite présentation. J'ai reçu un petit colis de la marque Allpower, apparemment c'est une batterie nomade, une R1500. On va passer tout de suite au déballage de la batterie. On ouvre le carton, j'ai déjà ouvert le carton juste avant. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce carton? Déjà une notice de la marque Allpower. On va passer tout de suite à la petite pochette, une pochette Allpower toujours. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette pochette? On va retrouver un câble d'alimentation 220. Et un petit papier. Voilà, tout simplement. On va passer à la mousse. Wow, sacrée mousse, bien épaisse en plus. Ça pourra servir peut-être pour autre chose. Wow, une belle petite batterie. Voilà, j'ai posé la batterie Allpower sur son carton. On va passer à l'allumage de la batterie. On va rester appuyé sur le petit bouton Power quelques secondes. La batterie s'allume et vous voyez un affichage avec 100% de charge de la batterie et 14 jours d'utilisation si la batterie est branchée dans cet état. Vous avez aussi une entrée, une sortie. Vous verrez les watts s'afficher dessus un peu plus tard. Pour allumer les ports USB, on appuie ici et vous avez deux ports USB de type A à 18 watts et deux ports USB-C à 100 watts. En même temps qu'on appuie sur ce bouton, on allume la prise allume-cigare qui se trouve ici. On la branchera tout à l'heure avec un gyrophare. Pour allumer les quatre prises, vous avez les quatre prises ici. On appuie sur ce petit bouton et les quatre prises s'allument et vous avez 1800 watts sur l'ensemble des prises et 3000 en crête. Sur le haut de la batterie, on va retrouver deux pads de chargement pour votre téléphone de 15 watts. Sur le côté de la batterie, vous avez également un petit clapet à ouvrir avec une prise XT60 qui vous permettra de recharger votre batterie avec panneau solaire jusqu'à 650 watts ou bien sur allume-cigare de 12 à 24 volts. On a aussi également un petit bouton de protection pour allumer la batterie au cas où si elle disjoncte et une prise pour recharger à votre domicile en 220 volts. Et de l'autre côté, encore une petite trappe à ouvrir avec deux prises également pour rebrancher des B1000, c'est des batteries additionnelles afin d'augmenter la capacité de la batterie. Vous pourrez en mettre jusqu'à 3, il me semble. Nous sommes sur une technologie de batterie en lithium fer phosphate avec une capacité de 3500 cycles à 100%. Et après les 3500 cycles, vous aurez une capacité qui va réduire jusqu'à environ 80%. Elle vous garantit une durée de vie de à peu près 10 ans à 100%. Un truc très important également qui est super intéressant, c'est que vous pouvez la contrôler avec votre téléphone portable. Avec la fonction Bluetooth et Wi-Fi. Pour l'allumer, il faudra rester appuyé quelques secondes ici. On entend le bip et sur l'affichage, vous voyez le Bluetooth et le Wi-Fi d'activer. Pour l'éteindre, vous restez quelques secondes appuyé également sur le même bouton. Une autre chose de très intéressante sur cette batterie, c'est que vous avez la fonction UPS qui vous permettra en cas de coupure de courant à votre domicile de reprendre aussitôt la relève, ça se fera en 15 millisecondes. Le poids de cette batterie est de 16,7 kg. Tout à l'heure, je vous parlais de la fonction allume-cigare. On va brancher le gyrophare dessus. On va allumer l'allume-cigare sur ce bouton toujours. On ouvre le petit clapet et on entre la prise allume-cigare dedans. Nous sommes sur un allume-cigare en 12 volts et là on voit la consommation de 53 watts sur le gyrophare. Et juste à dessous, on voit qu'avec la consommation du gyrophare de 52 watts, on peut faire 18 heures d'autonomie pour alimenter le gyrophare. Cette batterie sera également idéale pour les vidéastes, pour recharger le drone ou encore un Ronin SC. Et autre chose pour de la vidéo.
On voit sur l'écran 28 watts, c'est la consommation de la radiocommande et des batteries qui sont en charge. Voilà, ce coup-ci, j'ai branché sur le 220 volts une lampe de chez Amaran, une lampe de studio. On va la mettre en marche. Alors, j'ai allumé. Voilà, j'allume le projecteur. On va passer à 20%. Voilà, sur la batterie, on voit que c'est à 25 watts et qu'on peut rester comme ça pendant un jour allumé. Du coup, maintenant, on va la passer à 100%. Et du coup, maintenant, on voit une consommation à 108 watts et durée de la batterie 9 heures. On entend la ventilation se mettre en route. J'ai également reçu un panneau solaire de 200 watts de la marque All Power qui m'est très utile pour l'extérieur. Donc je vous ferai une vidéo un de ces quatre, pas maintenant parce qu'il pleut, donc impossible de faire cette vidéo. Le prix de la batterie, il est dans la description. Vous la retrouvez dans les 699 euros, juste la batterie. Vous avez un code promo également de 10%. Voilà. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je répondrai à vos questions si vous avez des questions sur cette batterie. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo. Allez, salut!